Salut à tous et bienvenue dans Cuisine Today avec cette nouvelle recette d'automne, le pâtisson farci. J'ai découvert ce légume par hasard, je l'ai trouvé joli, alors je me suis dit allez hop, c'est parti pour une recette. Pour les ingrédients, il vous faudra donc un pâtisson, une sorte de potiron qui a le goût de courgette, 200 g de viande hachée, une boîte de sauce tomate, une échalote, de l'huile d'olive et 100 g de gruyère râpée. C'est parti pour la recette. Prenez votre pâtisson et mettez-le 15 minutes à la cocotte minute ou 30 minutes dans l'eau bouillante et dans une poêle, faites revenir les échalotes et la viande hachée. On ajoute du sel et du poivre et on remue bien le tout. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de persil et personnellement j'ai rajouté des champignons de Paris. On incorpore la sauce tomate et on fait cuire environ 15 minutes à feu doux et à couvert. Une fois que votre pâtisson est cuit, enlevez un chapeau avec un couteau. Attention à ne pas vous couper parce que la peau peut être vraiment très épaisse. Et on enlève les pépins. Pour les amis jardiniers, vous pouvez aussi les garder pour les replanter dans votre jardin et avoir de jolis petits pâtissons orange qui éclairent votre jardin. On ajoute la moitié de la farce dans le pâtisson. On met ensuite du gruyère râpé et on remplit avec le reste de farce. On enfourne ensuite 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, vous avez un joli petit pâtisson farci, un petit légume oublié qui sera très original sur votre table. Bon appétit !